toute la petite équipe est ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouvelles confidences au clair de lune. Comme tous les soirs, entre 23h et 1h, la ligne est ouverte au 39-21. Vous y serez accueillis par Justin et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous le savez, à tout moment, vous pouvez réagir à un témoignage en composant le 39-21 choix 1. Vous dialoguerez avec nous à l'antenne. Vous pouvez également nous écrire sur le site internet europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7-10-25 en les commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nicolas. Nicolas ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc je me suis permis de vous laisser un mail. Oui. Bon, mon histoire n'est sans doute pas très originale. Voilà, je me situe dans une post-séparation. Alors, qui est très récente, hein, puisque vous me dites que ça fait seulement 2 mois. Qui date de fin janvier, effectivement. Oui. Mmh. Et bon, voilà, c'est toujours la difficulté de gérer ces événements et face à la personne que j'ai, par rapport à la personne qui est en face de moi, à me dire, bon, est-ce qu'il faut véritablement que je passe à autre chose, que j'aille de l'avant? Est-ce qu'il faut que je patiente? Est-ce qu'il faut que... Donc vous ne l'avez pas choisi, cette séparation? Non. C'est elle qui est partie? Oui. Vous étiez avec cette femme depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Pourquoi? Comment ça s'est terminé? Pour quelle raison? Enfin... Ben, écoutez... Il y avait des difficultés. Bon, essentiellement, je pense, d'ordre, sur la communication en particulier. C'est-à-dire que, bon, dans toutes ces choses qu'elle a pu me dire au lendemain de la séparation. Enfin, la séparation, elle est partie, sur un coup de tête, quoi. C'est-à-dire, je suis rentré un soir, j'avais un message, je suis pas bien, je souhaite prendre du recul. Il y avait déjà une partie des affaires qui était partie, et puis le lendemain, le restant de ses affaires, elle les a prises. Vous viviez ensemble ou... Oui. 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 Et puis donc, ces revendications post-séparation, c'était... Oui, tu n'étais pas assez présent à mes côtés. Tu ne m'entendais pas. Finalement, qu'est-ce que tu étais pour moi? Rien. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Elle était dans le reproche après. Mais alors, quand vous dites finalement, vous vous demandez ce que vous devez faire aujourd'hui. Si vous devez patienter, on pourrait se poser la question pourquoi? Parce que après tout, normalement, dans une séparation, que faire si ce n'est attendre un petit peu que les plaies cicatrisent pour aller mieux. Or, ce que vous dites dans votre mail, c'est que depuis votre séparation, elle alterne le chaud et le froid. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous restons en contact, d'accord. Voilà. Alors ça fait, vous dites, 7 ou 8 semaines hein, qu'on est en contact. Mmh. Donc ça va être des périodes où, 7 ou 8 jours sans, en silence radio, comme on dit. Et puis d'un seul coup, elle va m'appeler 3 fois dans la journée. Et puis un jour, ça va être un SMS pour me dire, tiens, est-ce que tu voudrais qu'on dîne ensemble ce soir? Donc on s'est vu au moins une dizaine de fois. Parfois j'ai eu face à moi quelqu'un qui était complètement perdu. Il y a 15 jours, elle me dit oui, ben on va se retrouver, mais il faut se donner du temps. On va pas vendre tout ce qu'on a en commun pour l'instant, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez en commun? Bon, on a des... On a
on a des véhicules, on a des un appartement de vacances, voilà. Et puis là, et voyez, quand on s'est vu il y a 15 jours, voilà, on s'est câliné, elle me donnait la main, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis là, depuis 10 jours, c'est non, finalement, j'ai besoin d'une vraie rupture. Oui, elle ne sait pas où elle en est. Non, elle est complètement perdue. Et puis finalement, tout ce que je t'ai reproché, finalement, c'est pas toi, c'est moi. Alors voilà, quoi. Je me dis, oui, c'est difficile faire, pour quoi, vous parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas comment avancer puisque pour le moment vous êtes, tributaire d'elle. Moi, je suis. Alors bon, à préciser quand même que bien sûr, enfin. J'ai pris le temps de ces deux mois, j'ai pris aussi le temps, moi, d'analyser un petit peu les choses. Et c'est vrai que, objectivement, j'ai commis quelques erreurs, bien sûr. Et je lui ai dit, bah oui, effectivement, il y a des choses. Moi, je suis prêt à une remise en question. Moi, ce qui m'importe, éventuellement, c'est de me battre pour que un échec, que la seule solution, la solution de faciliter la séparation, oui, peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à essayer d'explorer à échanger, à pouvoir chacun faire part de ses difficultés, de ses remises en question, et puis, pourquoi pas essayer de définir de nouvelles bases, quoi, voilà. Avec le temps, bien sûr, avec le temps, parce que le moment présent n'est pas forcément le plus opportun. Bon, il y a des moments où ça prend, puis après c'est plus ça. Enfin, oui. Oui, on sent que finalement, comme elle est perdue, elle vous entraîne aussi là, parce que vous en avez pris quand même un sérieux coup, hein, à être quittée comme ça, et évidemment vous subissez de plein fouet cette séparation, et puis elle revient vers vous. Elle est donc où elle vous dit on pourrait peut-être elle vous propose de dîner avec elle, elle laisse envisager à nouveau un possible avec vous, et puis après elle vous dit bah non, c'est plus possible, c'est moi qui ne vais pas, et effectivement elle semble pas aller bien. Elle est totalement perdue. Donc, au fond, qu'est-ce que vous pouvez faire, Nicolas, si ce n'est lui dire éloignons-nous, laissez-la s'éloigner. Qu'elle se retrouve, vous verrez bien. De toute façon, vous perdez là. Vous, elle revient, elle s'en va, voyez, et vous n'avancez pas, et vous n'êtes pas dans une logique un peu conquérante là. On sent bien que vous étiolez. Ben oui, c'est évident, hein, c'est évident. Enfin, moi, j'essaie de jouer, comme on dit. J'essaie d'être très clair, enfin autant que faire se peut, mais j'essaie d'être clair. Mais vous ne pouvez pas l'être face à quelqu'un qui sait plus où elle en est. Alors je crois. Et à juste titre, elle ne sait pas au fond si c'est la relation, si c'est elle, c'est peut-être les deux. Parce que ça lui pèse, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est assez malheureuse de cela, elle aussi. Ah ben elle m'a dit, de toute façon, c'est mon deuxième échec. Oui, bon. Encore un, c'est moi qui est parti, enfin vous voyez. Oui. Bon, mais écoutez, je pense que dans ces cas-là, c'est important aussi de savoir ce qui est difficile à faire, parce que à la fois on veut rompre, et puis c'est compliqué de savoir rompre et de s'éloigner de l'autre, d'accepter le manque, et donc on continue à entretenir un lien, et puis le lien n'est plus non plus ce qu'il était, donc on reste dans une frustration, dans un mal-être, on en veut à l'autre, on s'en veut à soi-même. Donc je crois qu'il est plus sage de dire à l'autre, bien, d'accord, tu veux t'éloigner, je te rends ta liberté. De toute façon, s'il y a vraiment de l'amour qui persiste, la relation peut reprendre.
Pour c'est le ce moment, qu'il faut se dire. Encore, c'est... Il y en a encore de chez moi. De... Mais j'entends bien. J'entends de son bien. Côté, je pense qu'il y en a encore, même si. Tend à se masquer ou à se... Oui, mais si quand on continue comme ça, de façon un peu maladroite, un peu, souvent on abîme davantage la relation qu'on ne la fortifie. Alors, autre précision aussi, je crois comprendre que. Bon, alors, je ne sais pas si on peut parler d'influence, mais elle est dans une... Alors, on ne va pas parler de relation, mais elle est dans une espèce d'influence d'un psy. Alors, un psy qui n'a plus de plaque, qui n'est pas dans les pages jaunes, qui est peut-être à la retraite. Bon, alors, c'est quelqu'un qu'elle voit au moins une fois par semaine. Oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un à qui elle téléphone trois fois par jour, à qui elle envoie des SMS à 23h. Enfin, vous voyez, c'est... Qui était son ancien thérapeute ? Non, c'est quelqu'un qu'elle a connu, je pense, dans le cadre de son activité professionnelle. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un, je pense, de très influent. Alors, elle m'en a parlé, enfin, elle ne m'a pas dit qui c'était, elle m'a dit qu'elle avait une proximité avec cette personne. Mais elle me dit, par exemple, tu vois, pendant un temps, j'étais dans l'idée qu'effectivement, une thérapie couple, ça pourrait nous faire du bien, mais cette personne m'a dit que non, par le temps présent, c'était pas nécessaire, donc finalement, on ferait pas. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Oui, parce qu'il y a effectivement cette possibilité-là. En général, avant les ruptures, les thérapies de couple. Hein, ça... Ce qui parfois d'ailleurs n'empêche pas la rupture. C'est pas magique la thérapie de couple. Hein. Ça permet simplement. La cause d'abcès. Ben, ça dépend. Ça permet à ce que des choses puissent se dire dans la relation. Ça permet de voir si cette relation peut. Il y a quelque chose qui est resté vivant, peut évoluer. Si les deux conjoints peuvent ont des choses encore à vivre ensemble ou pas. Donc parfois ça permet aussi de se séparer et de se séparer en bonne intelligence, hein, pas seulement de crever l'abcès. Alors après, quand il y a de l'amour comme ça, un mouvement d'aller-retour et de se dire bah, pourquoi pas, si on n'arrive pas, on peut essayer d'aller en parler à un tiers. Bon. Mais voyez, même ça, elle vous dit bon, pourquoi elle fait intervenir ce tiers, puisqu'au fond elle le fait intervenir ce tiers. Sans là aussi, elle vous met dans une situation d'impuissance. Elle le fait intervenir, non pas physiquement, elle vous met hors jeu, vous, en disant c'est même pas son thérapeute, c'est quelqu'un qui est, vous ne savez pas au fond à quelle place, un ami, mais un ami qui a fonction de psy, qui l'aide. Bon, on sait bien que. De pair, on sait bien qu'un ami ne peut pas, même s'il est thérapeute, ne peut pas à ce moment-là jouer les thérapeutes. Non, non. Parce qu'il est du coup trop impliqué affectivement. Il est dans l'influence. Donc, moi je pense que tout ce que vous pouvez faire actuellement, c'est vous éloigner, la laisser reprendre sa liberté. Mmh. Elle en sera certainement surprise d'ailleurs, hein. Parce qu'elle ne s'attend pas à cela. On ne s'attend jamais. Ah, on ne s'attend jamais quand on est quitté. Ces dernières déclarations, c'est oui, mais de toute façon, finalement, je crois que c'est moi qui n'a pas su donc gérer la relation. Bon, et elle me dit, toi, t'es quelqu'un de valeur, t'es quelqu'un d'intelligent, donc arrête de te centrer sur moi et, enfin, sous-entendu. Poursuis ton chemin sans moi, quoi. Ouais. Elle a raison. Oui, c'est à double tranchant ce discours, parce que à la fois, évidemment, vous qui avez été quitté, vous avez envie de lui dire, et c'est peut-être aussi ce qu'elle attend,
Vous avez envie de lui dire le contraire, mais non, tu es quelqu'un de très bien, tu n'endosses pas toute la responsabilité de l'échec de notre relation, et vous avez envie de la rassurer sur ce qu'elle est. Et ce genre de discours, c'est aussi ce qui fait que vous vous attachez encore plus à elle. C'est un double discours, en fait, hein. Moi, c'est vrai qu'au départ, tu n'es pas responsable, c'est moi qui endosse toute la responsabilité, tu es quelqu'un de très bien, c'est moi. Donc, ça implique que vous, ayant des sentiments pour elle, vous lui disiez le contraire. Attention, je crois que, vraiment, hein, pour conclure, Nicolas, il faut que vous ne pouvez... Elle est perdue, elle ne sait pas où elle est actuellement, elle a besoin de se recentrer sur elle-même, et vous, ça va vous aider à y voir plus clair. Vous ne pouvez pas vous avancer avec quelqu'un qui est autant perdu. C'est pas parce que vous ne la perdrez pas davantage, hein. C'est ça que vous avez du mal à... Peut-être que vous allez... peut-être que vous allez la perdre définitivement. Oui. Je vais pas vous mentir. Bien sûr. Mais de toute façon, en l'état actuel de votre relation, c'est pas satisfaisant. Ah ben non. Parce que vous allez tourner en rond comme ça. C'est bien évident, je suis complètement d'accord. Donc, ce qu'elle peut, elle peut, elle, se retrouver un peu face à elle-même, faire le point, beaucoup plus qu'en passant des soirées avec vous, où au fond, vous allez refaire le passé, refaire, dire ce qui n'a pas fonctionné, revoir, avoir des élans de tendresse, parce que c'est compliqué de vous séparer, mais au fond, vous dire si on se remet ensemble, ça va à nouveau pas fonctionner. Enfin, il y a de la culpabilité qui vous envahit. Elle a peut-être besoin de passer par un moment où elle est face à elle-même. S'il y a de l'amour qui continue, peut-être qu'elle peut revenir vers vous. Et peut-être que vous allez poursuivre votre chemin et qu'à ce moment-là, vous ne serez plus disponible pour elle. Qui sait aussi ? C'est possible. En tout cas, il y a Chris qui envoie un petit message au 7-10-25 qui dit « De toute façon, vous n'êtes pas son jouet non plus, donc il faut aussi vous faire respecter dans cette histoire. » Et puis un message de Laurent qui dit « Une séparation n'est jamais une solution de facilité et même si c'est dur, le mieux est de la laisser se recentrer. Elle a besoin de régler des choses seule. » Alors, une autre précision, j'en terminerai, Caroline, c'est qu'il y a aussi derrière ça, c'est que nous étions dans un cadre de famille recomposée. C'est-à-dire ? Il est vrai que depuis la séparation, de part et d'autre, finalement... Mais vous avez des enfants, chacun de votre côté ? Voilà, c'est ça. Donc la séparation, ça a eu pour effet aussi de, j'allais dire, de mettre les enfants, mes enfants, en position de rejet à son encontre et vice-versa. Mmh. Ça peut être aussi une difficulté, à mon sens, supplémentaire. Oui, c'est possible, mais y a bien sûr qu'il y a plein d'éléments qui ont dû entrer en ligne de compte. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vous en êtes à cette séparation que vous subissez. Elle a pris la décision, mais bon, ça la rend pas forcément heureuse pour autant. Et finalement, elle revient vers vous. Elle sait pas très bien où elle en est. Et bon, elle est pas au clair par rapport à ça. Pendant quelque temps, évitez de vous voir. Ou alors, si elle veut vous contacter, comme elle le fait, dire moi je préfère qu'on se voit, mais allons en parler à quelqu'un, parce que se voir comme on se voit là, c'est trop perturbant. Dites-lui que c'est trop perturbant, trop déstabilisant pour vous. Vous avez le droit de le dire aussi, ça. Et ça peut être l'occasion de la ramener vers une solution tiers, quoi. Oui. Tiers, autre que cet homme-là qu'elle consulte, après tout, enfin qu'elle consulte à titre personnel, c'est son ami, ça c'est peu importe. Hein. Elle n'a pas à le mettre entre vous et elle. Ça la regarde, mais en tout cas, vous êtes quand même hors-jeu dans cette histoire. Tout à fait. Allez, un autre message pour conclure qui dit « Il faut prendre du recul et ça vous permettra de voir vraiment sa sincérité ». Je pense qu'elle est sincère, mais elle me semble surtout très perdue. Ah oui, non, mais on est complètement d'accord.
Et l'imparfait du subjonctif qui aura le mot de la conclusion qui dit c'est effectivement pas facile de clarifier une situation pareille, du recul, du temps et de la distance, je pense. C'est d'autant moins facile que elle est perdue. Je pense que c'est pas un manque de sincérité dans les sentiments. Je pense que d'abord c'est très récent, vous êtes restés 3 ans ensemble, qu'il y a eu véritablement des sentiments et qu'il y en a encore, et que tout le fait qu'elle navigue, qu'elle revient vers vous, bon, elle ne sait pas où elle en est. Mais pour autant, c'est pas ça qui va vous aider à voir ce qu'il en est, voir si réellement, au fond, elle revient parce qu'elle est dans une nostalgie, parce qu'elle est réellement est prise de vous. Je suis désolée, mais c'est aussi ce qu'il faut qu'elle comprenne. Et vous, il ne faut pas que ça s'entretienne à vos dépens, Nicolas. Moi, il faut que je me mette dans une... Il faut que je me reconstruise. Il faut que vous reconstruisiez avec des gens qui peuvent effectivement vous entourer dans ces moments qui sont difficiles. Mais ce n'est pas elle qui peut vous réconforter actuellement. Ah non, mais j'en suis complètement... Voilà. Donc il faut vous entourer de proches et de gens qui peuvent, eux, vous réconforter. Bon courage, Nicolas. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Oui, je vous en prie. Oui, je me reconnais très bien dans la chanson. Oui. Bizarre, ça tombe très bien. Oui. J'ai votre mail sous les yeux. Et oui, c'est un peu votre problème. Hein. Vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. Voilà. Que ce soit verbalement, que ce soit par les gestes, que ce soit. Il faut acheter le dernier album alors de Louis Chédine. Je crois que je vais le faire. Et le passer en boucle. Oui, je vais le mettre à côté de mon lit d'ailleurs. Voilà. Donc je vis avec quelqu'un. Enfin, je vis avec quelqu'un. Je fréquente quelqu'un depuis 4 ans. On vit ensemble. On se voit le week-end, 20 ans sur la semaine. Et ça fait plusieurs fois qu'il me dit qu'il ne va pas pouvoir continuer sa relation avec moi parce que je ne suis pas expressive, pas sentimentale. J'ai pas les mots qu'il faut. Je ne sais pas dire je t'aime. Voilà, je ressens des choses très fortes. Et au moment fatidique, il y a un blocage total. Et voilà, c'est fini, je ne peux plus. C'est quoi le moment fatidique ? Le moment où j'ai envie de dire des choses, j'ai envie de lui prendre la main, où j'ai envie de le prendre dans mes bras. Quelque chose me bloque. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas seulement en parole, c'est aussi dans les gestes. C'est aussi dans les gestes. Oui. C'est aussi dans les gestes. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Je me doute bien que c'est depuis toujours. Mais on me le fait tellement remarquer de plus en plus fort, voilà. En dehors de cet homme-là, avec qui vous avez une relation depuis 4 ans, hein. Depuis 4 ans, mon ex-mari, avec qui j'étais mariée pendant plus de 17 ans. Ah bah quand même, il a supporté pendant 17 ans. Il a supporté pendant 17 ans. Oui, bon. Mais bon, oui, c'est vrai, j'étais très... On va dire que c'était un amour platonique avec mon mari, plutôt, quand même. Oui. Ouais. On va dire ça. Voilà. 17 ans d'amour platonique. Oui, ça a été un grand amour, on va dire, les 4 ou 5 premières années. Oui. On a eu de petites filles adorables d'ailleurs, et puis ça s'est, je l'ai peut-être découvert au fur et à mesure des années, il m'a découverte aussi, et puis voilà quoi. Oui. Du coup, je pense pas avoir eu de sentiments très forts à la fin pour lui, ça c'est vrai. Oui. Donc voilà. La personne avec qui je suis actuellement, oui, je l'aime énormément, c'est clair. Et en dehors de cet homme, parce que je vous demandais, Isabelle, qui ont en dehors de cet homme, c'est-à-dire est-ce que ça touche d'autres personnes en dehors de la relation amoureuse ? En dehors de la relation amoureuse, ma famille proche, mes frères et sœurs. Oui. Avec qui je reste en contact régulièrement. On est tous éloignés les uns des autres. On a perdu nos parents et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais envie de les appeler, où j'avais envie de leur dire des choses, envie de me confier et je ne l'ai jamais fait. Oui. Je ne l'ai jamais fait parce que voilà, je me disais que peut-être une question de fierté ou d'orgueil ou je ne sais pas, ou d'éducation peut-être aussi. Et voilà, j'ai raté pas mal de choses quand même. J'ai raté beaucoup de choses. Enfin, vous avez eu aussi quand même une vie
assez remplie sur le plan. Ça ne vous a pas empêché de vivre quand même une vie affective assez remplie. Alors, en même temps, ça a certainement un sens, cette difficulté à exprimer vos sentiments et qui sont présents. Hein, c'est-à-dire, ils sont bien présents, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, à les traduire en gestes ou en paroles. Voilà. Comment, quand vous étiez enfant, justement, comment était-on avec vous, enfant ? Est-ce que dans votre famille, vous avez vu, par exemple, vos parents, entre eux, vos parents étaient tendres ? Non. Non. C'était. Alors, d'après mes frères et sœurs, parce que c'est vrai que j'ai un très vague souvenir de mon enfance. J'ai vraiment du mal à me souvenir de mon enfance. On a eu une vie très remplie, on a beaucoup voyagé dans le monde entier. On était 6 enfants à la maison, j'étais la dernière de 6. Oui. Un papa extrêmement strict, qui rentrait une fois tous les 2 ou 3 mois, ça dépendait. Et une maman plutôt soumise, on va dire. Plutôt soumise, mais toujours obéissante, toujours, voilà, c'était vraiment, c'était un petit peu le trait de la famille, et oui, on ne s'exprimait pas à table, on était toujours très très correct, jamais un mot au-dessus de l'autre, enfin c'était vraiment, on parlait si on avait le droit. Mm-hmm. Voilà, en gros c'était ça quoi. En gros, avec mes frères et sœurs, on avait une très très bonne relation, mais relation de frères et sœurs, je ne pourrais même pas redéfinir comment elle était vraiment, parce que c'est vrai que j'ai de très vagues souvenirs. Oui, ce qui est toujours particulier quand on a de très vagues souvenirs hein, sur son enfance. Là aussi, c'est vrai, ça, oui, ça a un sens aussi de pas bien se souvenir de son enfance. Alors, en même temps, vous posez le cadre hein, d'emblée, Isabelle. Hein, au fond, vous dites que vous-même, vous ressentez très fortement les choses. Vous avez une grande sensibilité, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer. Mais bon, vous dites que vous avez grandi dans un cadre familial où ça voulait pas dire qu'il y avait pas d'amour. Mais enfin, avec un peu un pater familias, hein, avec un père très strict, assez bon, une mère soumise où il fallait pour s'exprimer à table, il fallait attendre que le père l'ait décidé. Enfin, c'était vraiment un modèle pater familias, quoi. Hein. C'était à l'ancienne. Voilà. C'était donc dans un mode d'éducation quand même à l'ancienne où il n'y a pas tellement de place pour les émotions et pour les sentiments. Voilà, exactement. Voilà, c'est exactement ça, hein, en fait. Finalement, c'est perçu un peu comme de la faiblesse, souvent. Oui. D'afficher, ou comme de l'impudeur. Voilà. C'est impudique. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, peut-être étant enfant, même étant jeune fille, toujours faire bonne figure et puis ne jamais contrer la parole paternelle, toujours être d'accord avec. Et en fait, alors que sensiblement, certaines fois, j'étais jamais forcément d'accord. Et en fait, j'étais d'accord pour éviter tout conflit ou pour être. Pour qu'il puisse m'aimer comme je voulais qu'il m'aime, en fait, peut-être aussi. Certainement. Mais manque de communication, manque de verbe, c'est sûr. Oui, donc vous vouliez aussi plaire, vous dites, être aimé de ce père, hein, quand même. Voilà. Ça, donc, et en même temps être. Alors, il y a aussi cette dimension, petite par rapport à cette image très très stricte où on ne s'exprime pas. Il y a, je ne sais pas, vous avez utilisé une expression là, qui m'échappe, où il fallait. C'est pas tenir. Il y avait quelque chose comme ça, Oui, il fallait faire bonne figure. Bonne figure, c'est ça. Voilà. Mais ça, il y a des familles où on apprend comme ça, dès l'enfance, qu'il faut tenir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Voilà. Où finalement, on n'a pas le droit d'exprimer des sentiments.
Parfois même, ça va jusqu'à pas le droit d'en éprouver. Alors c'est voilà. Oui. Voyez, donc. Voilà, on ne pleure pas pour ça. C'est pas très grave. Oui. Voilà, c'est pas si grave. Tu vas pas pleurer pour ça. En gros, oui, c'est ça. Oui. Donc tout ça, ça s'est ancré profondément en vous. D'accord. Ouais. D'accord. C'est vrai que je voudrais en sortir de ça parce que, oui, voilà. J'ai ben briser un peu l'armure, oui, c'est ça. Voilà, je voudrais en sortir. Je me dis, 48 ans, il est peut-être grandement temps de faire quelque chose. donc, voilà, non, je le vis mal en ce moment parce que je sais que l'homme avec qui je suis ne tiendra pas de toute façon, c'est clair. Et je ne veux pas le perdre, donc. Comment ça se passe quand lui. Est-ce que lui est tendre avec vous? Très, très. Comment, et justement, quand lui est tendre avec vous, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, mais j'adore. Alors oui, donc, vous aimez ça, les... Oui, oui. Mmh. Mais à la rigueur, je dirais même, j'adore, mais ça devient de la pudeur, c'est-à-dire que si on est en public, ou si mes enfants sont à côté, j'éviterai tout geste. Moi, de mon côté, les miens. Mmh. Par contre, si on se retrouve tous les deux, là, ça ira, mais... Et encore, il y aura de la pudeur quand même. Oui, mais ça, je crois effectivement, il faut y aller petit à petit, Isabelle. Hein, c'est-à-dire ouais. En public, je comprends que ça soit compliqué. Oui. Mais c'est déjà en privé. Vous voyez, c'est déjà en privé. Vous autorisez certaines choses. Oui. Vous autorisez quand à pouvoir vous l'enlacer, à pouvoir vous lui ou lui caresser les cheveux, ou lui caresser le visage, ou oui, oser avec... des gestes comme ça finalement. C'est vrai que je le fais à partir du moment où il aura déjà commencé. C'est ça, jamais, mais pourquoi pas? Voilà, oui. Je ne fais pas le premier pas en fait. Oui, mais parce que ça, je vous dis, il y a quelque chose qui bloque chez vous, qui ne se voilà. fait pas, finalement. Comme si vous ne vous autorisiez pas cela. C'est ça. Est-ce que vous lui avez expliqué aussi que, au fond, est-ce que vous lui avez dit, parlé que, un peu de vous, de votre vie, du fait que, de votre histoire, de cette éducation qui fait que tout ce qui était de l'ordre des sentiments et des émotions devait être contenu? Oui, alors on en a parlé, c'est vrai, on en parle longuement, on parle surtout de notre problème à nous. Je lui ai parlé vaguement, oui, de mon enfance, de l'autorité, oui, ça c'est vrai. Oui, j'ai peut-être pas été suffisamment loin. Moi, je pense qu'il faudrait déjà le rassurer sur ce plan-là. Parce qu'il peut avoir le sentiment que, comme vous ne lui dites pas avec des mots et que vous ne lui oui. exprimez pas avec des gestes, c'est qu'au fond, vous ne l'aimez pas. Ou en tout cas, pas plus assez. Voilà. Lui, il a la sensation que je me lasse. C'est ça. Que je me lasse, hein, que je me lasse de lui tout simplement. Et voilà, que je ne m'éprouve pas suffisamment. Voilà, donc je pense que déjà, dans un premier temps, il a besoin d'être rassuré. Il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau de votre compagnon, où il a besoin que vous puissiez lui dire que vous êtes toujours extrêmement attaché à lui, que vous avez toujours beaucoup d'amour pour lui, parce que voilà, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer, et que ça, c'est plus lié à votre histoire qu'à lui. D'accord. Vous trouverez les mots à vous pour lui dire. Oui, mais d'accord. Parce que souvent, quand même si c'est pas lié, mais quand l'autre n'arrive pas à mettre des mots, à l'exprimer en acte, on peut avoir le sentiment qu'on n'est plus aimé. Voilà, voilà. Hein? Donc, il faut le rassurer là-dessus, déjà dans un premier temps. Et puis, il y a vous, à votre niveau, où effectivement, pour un peu dépasser ce cap-là, commencer par un petit peu, peut-être faire un travail un peu sur vous. Allez, alors ça peut être aussi à partir de massages. D'accord.
de travail un peu sur le corps, mais des massages, ça peut être effectivement tout ce qui est aussi travail autour de la sophrologie, travailler un peu vous permettre de lâcher un peu, travailler aussi sur le souffle, travailler vous permettre de lâcher un peu tout ce qui est bridé en vous. D'accord, oui. Ok, oui. Parce que il y a pas une, ça crée pas une souffrance quand même chez vous telle au point d'aller en parler en thérapie. Je sais pas trop en fait. Je vais peut-être franchir le pas. Et j'ai besoin de savoir certaines choses que j'ai l'impression d'avoir occulté des choses. Mais ça, c'est qu'une sensation, hein, j'en suis pas certaine. D'accord. J'aimerais avoir j'aimerais connaître plus mon passé, mon trajet. Parce que ça, vous pouvez, à ce moment-là, aller en parler un peu en thérapie. Mais sinon, par rapport à votre compagnon, vous pouvez aussi lui laisser des petits mots. Vous voyez, ce que vous n'arrivez pas à lui dire, vous pouvez aussi lui écrire. Je crois qu'il faut le rassurer avant tout. Parce que c'est vrai que si vous n'arrivez pas à l'exprimer, il doit s'angoisser en ce moment. Hein. C'est sûr, oui. Il y a Louison qui dit « J'ai vraiment l'impression qu'Isabelle raconte ma propre vie avec les mêmes symptômes qu'elle maintenant. » Il y a Dominique qui dit « J'étais dans le même cas. » Et ce problème-là remonte à l'enfance. Dominique qui dit « J'ai réussi à m'en sortir. » Ben, c'est dommage que vous n'appeliez pas Dominique. Il y a Jean-Pierre qui dit « Je trouve Isabelle très émouvante. » dans le sens où le fait qu'elle ne sache pas où diriger ses émotions. L'amour platonique pendant tant d'années, dit Jean-Pierre, est un vrai sacerdoce. Elle aurait pu faire une bonne religieuse. Et puis... J'y ai pas pensé. Voilà, hein, pourquoi pas, c'était une vocation peut-être. Il y a Jeanne qui dit « Cette sorte de difficulté à exprimer ses sentiments est difficile à vivre, mais les personnes en face en souffrent aussi, car elles finissent par se demander si l'amour est là ou si c'est de l'indifférence. » Jeanne dit « Je serais plutôt expansive dans mes sentiments, mais ma mère et ma sœur ne se sont jamais exprimées. Quant à mon père, il a pris l'habitude de ne pas dire de mots câlins, malgré que j'ai su sur le tard qu'il était plutôt très câlin. J'ai suivi son exemple et c'est souvent douloureux. » Donc je pense que, rassurez votre compagnon et puis allez parler peut-être un peu vous. Et puis il y a aussi, je vous dis, la sophrologie, enfin tout ce qui passe par le corps qui pourrait vous aider. Bien, entendu. Ok. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, Isabelle. Au revoir, bonne soirée. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous téléphone, voilà. Oui. Ça fait 11 ans que j'élève mes enfants seuls. Oui. La mère est partie, elle les a abandonnés, et maintenant j'ai du mal à... Elle est partie comme ça Elle est partie avec son sac, et elle me les a laissés chez la nourrice, parce que la nourrice était à côté, on habitait dans le même HLM. Je suis arrivé un soir du boulot, et la nourrice est venue me voir en disant elle est partie, elle a laissé les trois enfants à la maison en fait. C'est incroyable ça. Et elle a refait sa vie, elle en a cinq, elle est mariée, elle en a refait cinq. Alors, ils avaient quel âge? On remonte 11 ans en arrière. Le premier en a 17, la gamine en a 15 et le dernier en a 12. Et donc ils étaient jeunes, hein? Ils étaient très jeunes. Alors pour moi, elle ne leur a plus donné signe de vie? On n'a plus de nouvelles, ils n'ont plus de nouvelles de leur mère depuis qu'elle les a abandonnées, en fait. Elle ne s'est plus remanifestée auprès d'eux? Plus jamais. Et vous n'avez pas cherché à voir... Pour moi, non, parce que le fait que, une mère abandonne ses enfants, je trouve ça honteux. On peut se séparer, parce que, c'est la vie, de tous les jours. Il y a les couples qui se séparent. Mais moi, je trouve, pour la part d'une mère, abandonner ses enfants, c'est quand même honteux, c'est... Donc vous vous êtes retrouvé, vous, à élever vos trois enfants du jour au lendemain. Voilà, j'ai élevé mes enfants, c'était très dur parce que au niveau de
du boulot, du même au niveau mental et tout. Et j'ai eu du mal. En fait, c'était très dur, voilà. Et aujourd'hui, 11 ans plus tard. Bah aujourd'hui, ils sont grands et aujourd'hui j'ai du mal à supporter. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait ma part de choses avec eux en fait. C'est-à-dire? Comment dire, j'ai l'impression que j'ai du mal. En fait, j'ai l'impression que j'ai plus mon rôle. J'ai envie de souffler, j'ai envie de respirer. Vous aimeriez avoir un peu de temps à vous? Voilà, un petit peu de temps à moi. Et moi, je vis beaucoup le problème que j'ai. Je vis beaucoup avec le passé, en fait. Et j'ai du mal à avancer dans ma vie avec ce passé, en fait. Le passé, c'est-à-dire le fait que leur mère est partie comme ça? Voilà, ouais. Parce que j'ai des relations, voilà, mais le seul problème qu'il y a, c'est des personnes, moi j'en ai 37, je me retrouve avec des personnes de 44 ou 45 ans, voilà, ça ne correspond pas à mon âge. Vous avez quel âge, vous? Moi j'en ai 37. 37, hein, vous m'avez voilà. dit. Voilà. Mais, comment se fait-il que vous rencontriez des femmes plus âgées? Je ne sais pas, voilà, c'est... 40 en même temps, ça fait 3 ans de plus que vous, ce n'est pas énorme, hein? C'est pas énorme, mais bon, sinon c'est 44, 45, mais j'arrive pas à trouver au niveau de à peu près de mon âge, voilà. Et c'est pour ça qu'à chaque fois ça marche pas, ça va pas un petit peu. Oui, vous pensez que c'est uniquement pour ça, parce que 37 et 44, c'est pas énorme non plus, hein. Ouais, mais bon. Enfin, c'est peut-être vous qui bloquez là-dessus, mais en quoi ça vous pose un problème? C'est peut-être la différence d'âge et je me suis... Ça fait 6 ans, c'est pas énorme. Pour moi, peut-être, mais ça n'arrive pas à aller plus loin. En fait, j'arrive pas à garder la relation. Ah oui, ça d'accord, mais en même temps, c'est pas à moi qui y a à dire pour vous si la différence d'âge, mais parce que c'est pas si énorme que ça, mais. Vous restez bloqué sur ce passé en même temps, ça peut se comprendre, parce que c'est extrêmement traumatisant ce qui vous est arrivé. Et pendant toutes ces années, eh bien, vous vous êtes retrouvé à élever seul 3 enfants. Voilà. Ouais. Ce qui fait que vous n'aviez pas beaucoup de temps pour vous, Cédric. Non, j'en ai pas eu de temps. Et c'est maintenant. Mais non, est-ce que vous avez eu des relais? Est-ce que vous avez été un peu soutenu dans votre famille? Ah, beaucoup. J'ai eu beaucoup de. Bon, mes parents sont encore là. J'ai des amis d'enfance. Bon, ils sont toujours là aussi. Je peux compter sur eux. Voilà. Bon, vous avez été entouré. Mais. En même temps, bon, ça vous laissait peu de place pour votre vie d'homme. C'est-à-dire que si je comprends bien, pendant toutes ces années, vous l'avez mise entre parenthèses, votre vie d'homme. Oui. Donc c'est maintenant que vos enfants sont un peu plus grands, c'est-à-dire 17, 14 et 13 ans, que vous songez enfin à vous occuper, à vous dire, bon, il est temps peut-être de songer à avoir une compagne. Hein? Mais c'est vrai que vous étiez vous-même très jeune quand c'est arrivé. Oui, j'étais jeune, oui. Bah oui. Donc, 26 ans, 3 enfants, votre femme qui part comme ça, et c'est quand même qui vous laisse sans nouvelles. Alors, ça vous donne... vous-même, vous ne comprenez pas. Comment une mère peut abandonner ses enfants? Voilà. Alors, ça pose la question de... Quelle a été... On n'est pas là pour en parler, ça sera autre chose, mais... Quelle est l'histoire de cette femme, de la mère de vos enfants? Parce que il y a une histoire derrière, hein. C'est pas anodin de partir en laissant des enfants comme ça. Et elle a dû elle-même avoir une histoire quand même particulière. Alors. Simplement, et c'est important par rapport à vos enfants, par rapport à ce que vous leur avez transmis aussi de leur mère. Comment ils en parlent?
Bah, le premier, bon, le plus grand, bon, veut plus l'avoir parce que bon, lui il trouve ça honteux, bon, il comprend pas pourquoi qu'elle est partie. Après la gamine, bon, ça reste encore là, bon, la gamine reste sa mère, bon, une mère, elle sera toujours une mère. Mais la gamine, bon, a fait avec, puis le petit, bon, le petit il s'en fiche, le petit, il a dit bon bah. Mais elle n'arrive pas à être une mère, et on voit bien justement que toute sa problématique, c'est qu'elle essaye de l'être en mettant des enfants au monde. Mais on voit bien que il ne suffit pas de mettre des enfants au monde pour être une mère. Ah ben non, bah je m'en doute. Puisqu'au fond, ouais, c'est pas si simple. Elle en a eu 3 avec vous. Finalement, quand elle est partie, il y en avait un qui était tout petit, qui avait 1 an. Et puis, comme vous m'avez dit, et je comprends que vous en soyez choquée, mais bon, elle en a 5 autres. Ben oui, on voit comme ça des femmes qui ont plusieurs enfants, et puis des enfants qui sont placés dans des foyers. Alors on se dit, mais quelle indignité! Comment elles mettent des enfants au monde, elles ne peuvent pas s'en occuper? Oui, parce que c'est pas seulement être parent, c'est pas seulement une fonction physiologique, c'est pas le fait de mettre l'enfant au monde qui fait de nous des parents. Hein, c'est avant tout une fonction psychique d'être parent. Et votre ex-femme, on va l'appeler comme ça, enfin on va dire la mère de vos enfants, voilà. Eh bien ne peut pas et malgré tout essaye comme si en mettant au monde des enfants, elle essayait de se rapprocher de cela. Alors ça serait important, vos enfants sont encore petits, mais parce qu'il y a des choses à comprendre pour que à travers cette image d'eux, c'est terrible pour un enfant de dire j'ai été abandonné par ma mère, comme si ma mère ne voulait pas de moi. Mais c'est leur mère qui a un gros problème, elle, vis-à-vis de son histoire. Eux, même s'ils avaient été différents, ça aurait été la même chose. C'est pas eux qui ont été abandonnés, c'est leur mère qui a un problème. Bon, cela dit, puisque c'est pas vous, semble-t-il, votre problème à vous, votre problème c'est comment vous reconstruire, mais ça me paraissait quand même important de le dire face à une telle problématique. Moi, le problème que j'ai maintenant, c'est bon, avancer, j'ai du mal à avancer parce que je vis sur le passé. Et moi, je voudrais arrêter le passé, puis partir de l'avant, voilà. Mais oui, mais c'est pour ça que j'essaye de. Justement, parce que. Bon, c'est ce que j'essayais un peu de vous dire, mais. Moi, au niveau de la mère, bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, voilà. Bon, elle a refait sa vie, voilà. Et moi, maintenant, bon, le fait que j'ai élevé mes enfants toute ma vie, bon, j'en ai 37, et voilà, je voudrais avancer dans ma vie, voilà, avoir une vie bien, voilà, c'est. Ben oui, je comprends bien. Mais avoir une vie, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une vie. Mais comme demande First Lisa, est-ce que vous rompez dès que vous connaissez l'âge des femmes ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Comment dire, j'ai pas. Est-ce que finalement ce qui vous fait rompre, hein, c'est l'âge des femmes que vous rencontrez ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ben, c'est bon, il y a ça aussi, puis il y a aussi le passé qui revient, qui revient un petit peu, voilà, c'est. La peur d'être abandonnée? Voilà, c'est ça, ouais. Peut-être fait que, bon, j'ai peur au niveau de mes enfants, peut-être c'est peut-être pas la bonne, ou. Voilà, qu'elle me relâche, ou. Alors, c'est quand même très particulier ce que vous avez vécu avec cette femme. Hein. C'est quand même un parcours certainement particulier derrière. Hein. Ça se trouve pas tous les jours, j'ai envie de dire. Heureusement. Que je vous ai téléphoné. Hein. Heureusement. Maintenant, par rapport à vos enfants, un conseil peut-être, Cédric, c'est pour les préserver, justement, c'est au début ne pas les mettre dans la confidence et vivre votre histoire un peu en dehors. C'est compliqué quand vous les élevez. C'est vrai, puisque forcément, ils sont dans le quotidien avec vous. Mais les mettre un peu en dehors. Ok.
quand même, essayez, puisque vous êtes entouré, de pas présenter ça, cette histoire comme, vous voyez, quelqu'un qui est susceptible de faire votre vie avec vous, maintenir un peu les choses à distance. Ah, voilà, c'est alors, c'est compliqué parce que c'est pas comme si vous les aviez les week-ends ou non, seulement. Bah voilà, je les ai tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, vous ne pouvez que les préserver un petit peu de tout ça. Hein ? Bon, on va continuer à en parler après le journal de minuit. Hein. Ne raccrochez pas, à tout de suite. Okay. Il est minuit sur Europe 1. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39-21, toutes vos réflexions par SMS au 7-10-25 en commençant vos messages par le mot « nuit » et vos commentaires par internet sur le site europe1.fr. Nous sommes en compagnie de Cédric. Alors Cédric, vous avez 37 ans, déjà 3 enfants qui ont 17, 14 et 13 ans. Vous les élevez seuls depuis 11 ans puisque leur mère est partie du jour au lendemain. Et vous vous posez des questions un peu sur votre avenir d'homme, là, cette fois-ci, puisque, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de place pour vous depuis 11 ans. Vous avez consacré votre vie pendant ces 11 ans à éduquer vos enfants. Vous avez été très entouré, heureusement pour vous, par votre famille, vos amis, mais vous êtes resté très marqué par cette histoire, hein, ce qu'on peut comprendre, et vous avez peur finalement à nouveau de l'abandon finalement, et puis peur aussi que ça ne se passe pas bien par rapport à vos enfants. Donc c'est d'autant plus compliqué pour vous que vivre une nouvelle histoire avec une femme, vous ne pouvez pas la vivre tellement en dehors d'eux, puisqu'ils partagent votre quotidien. Mmh. Hein, vous ne les avez pas seulement les week-ends. Non, je les ai tout le temps. Alors, je reçois des messages, hein, déjà qui arrivent pour vous, au 7-10-25. Il y a Brigitte qui dit « Pour quitter le passé, il faut le faire en profondeur. Et pour cela, revenir avec un thérapeute sur l'immense traumatisme que vous avez vécu. » Oui, c'est ce que vous n'avez jamais fait finalement. Vous avez été pris dans un tourbillon. Il vous a fallu faire face à la réalité, hein, à la dure réalité. Et vous n'avez jamais parlé au fond de ce que ça avait éveillé. Non, j'ai réveillé. Jamais. Non. Oui. Alors, il y a aussi le subversif qui dit peut-être votre image de la femme a été écornée, abîmée par cette symbolique majeure d'une mère vue comme indigne. Hein, c'est ce que vous disiez aussi, ouais, voilà. Cette mère indigne. Il dit, la femme est-elle si malveillante, si nocive? Il serait peut-être bon d'en parler aussi, pour reprendre confiance en vous, mais aussi en cette image des femmes, pour avoir moins peur, au fond. Parce que ce que vous mettiez en avant, c'était l'âge. Hein, c'était différence d'âge. Mais on voit que c'est plus complexe que cela. Bah, y a l'âge, mais bon, j'ai peur de me ramasser encore une gamelle, en fait. Mais c'est plus profond que cela. Vous avez peur de vous tromper, une fois de plus, mais surtout, vous avez peur d'être trompé, d'être abusé, finalement, d'être abandonné et qu'une femme vous fasse souffrir. Voilà. Hein, d'être abandonné par une femme. Donc, c'est l'image même de la femme qui en a pris un coup. Et peut-être que ça, d'en parler un peu auprès d'un thérapeute, vous permettrait de dépasser ce traumatisme, parce que ça en a été un sérieux. Hein. Ah bah oui, c'est toujours marqué, voilà. Oui, mais ça se comprend. Et maintenant,
Et maintenant, j'ai du mal, bon voilà, j'ai du mal à avancer, bon, et j'avance à rien, voilà. C'est... Mais justement, quand on a ce sentiment-là de ne pas arriver à avancer dans la vie, alors qu'on en a le désir, hein, au fond de soi, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui y fait obstacle, malgré nous. Mmh. Et donc, il faut travailler sur ces raisons inconsciente qui nous empêche d'avoir un avenir auquel on aspire en fait. Derrière ces raisons apparentes. Alors il y a l'imparfait du subjonctif qui dit parfois quand le passé vous rattrape, il est préférable de le laisser passer. Et oui, mais pour le laisser passer, il vaut mieux en parler. Et puis un autre message qui dit ne désespérez pas de la vie après l'implosion à laquelle vous avez survécu. Ayez foi en vous-même et en vos enfants qui sont votre couronne et le socle grâce auquel vous allez pouvoir vous reconstruire et vivre pleinement votre vie. Vous avez actuellement des personnes dans votre vie, une femme que vous avez rencontrée, avec qui J'ai une petite aventure et bon c'est fini voilà parce que bon ça passe pas au niveau des enfants voilà là des enfants j'en ai puis ça passe pas voilà. Vos enfants ne s'entendent pas avec cette femme. En fait, ouais, voilà, s'entend pas avec les enfants, en fait. Elle ne s'entend pas avec vos enfants. Les filles s'entendent pas avec ma fille, et ça a fait des histoires, et c'est pour ça qu'on a coupé aussi, bon, la relation. Ah, les enfants de cette femme ne s'entendent pas. Voilà, avec ma fille. Oui, alors ça, il peut y avoir au départ des rivalités entre enfants. C'est compliqué, hein, ça peut être compliqué les familles recomposées, puisque au fond, les parents se choisissent, mais les enfants ne se choisissent pas. Mmh. Hein, donc on leur impose de cohabiter alors qu'eux n'ont rien demandé. Ah non, c'est clair. Donc il peut y avoir un temps comme cela où il y a des tensions, des conflits qui apparaissent. Maintenant, il faut parfois, si quand même il y a des sentiments forts et si vous sentez que cette relation affective, amoureuse est importante pour vous, ça peut valoir le coup de s'accrocher, de tenir bon et de dire je suis bien d'accord, c'est peut-être pas simple et je vous demande pas d'être amie avec les filles ou les enfants de ma nouvelle compagne, mais au moins d'avoir des relations respectueuses puisqu'on va être amené à vivre sous le même toit, même si ce ne sont pas... Je ne vous demande pas d'être amis, puisque vos amis, vous les avez à l'extérieur. Vous voyez, dans un premier temps, ça peut un peu dédramatiser les choses, pacifier un peu les choses, parce que les enfants sentent que du coup, ce n'est pas parce que vous vous aimez que vous voulez que tout le monde s'aime, en gros. Bon, et puis je pense que ça serait pas mal que vous alliez peut-être un peu parler de tout ça pour revenir sur ce passé que vous avez du mal à digérer. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est surtout ça. Et après, je pense que après ça ira peut-être mieux dans ma vie, mais bon, tant qu'il y a le passé, c'est pas évident. Oui, mais parce que ce passé, quand il ne passe pas, c'est important d'aller en parler. Mmh. Et ça se comprend. Ça a été un gros traumatisme dans votre vie. Mmh. Donc allez voir quelqu'un, je pense. Ok. Et comme dit Brigitte, on peut être en couple aussi, sans cohabiter au moins pendant un temps. Ok. Hein? Et puis, pour le moment, le subversif aussi renvoie un petit message en disant que les enfants ne fassent pas ici office de bouclier inconscient. Parce que vous dites, et c'est très juste, aspirez à vous, pour vous, c'est-à-dire vous occuper de vous, hein, cette fois-ci en tant qu'homme, mais il y a une certaine ambivalence. Parce qu'au fond, c'est vrai que dans l'exemple que vous citez, vous avez mis fin à cette relation parce que les enfants ne s'entendaient pas. Et ça, c'est un piège. Okay. C'est ce que je vous disais. Et vous avez été habitué, de fait. Depuis 11 ans, vous ne vivez plus qu'à travers vos enfants. Vous étiez
Vous n'étiez plus qu'un père. C'est ce que dit autrement Jean-Pierre qui envoie un mail en disant « Le problème chez le papa poule là, que nous entendons n'est-il pas d'avoir des difficultés à redevenir un coq ?» Un homme, en fait. Un homme, c'est pas, ça ne veut pas dire être un coq, mais non, redevenir non, un homme. Hein, c'est-à-dire voilà, que de ne pas vous servir trop maintenant de vos enfants pour dire « Je n'arrive pas à reformer un couple. » Ok. Bon courage, Cédric. Merci. Au revoir. Petit message au 7-10-25 de Dominique pour Cédric qui dit « Les femmes ne sont pas toutes les mêmes et elles sont moins compliquées qu'on ne pense. Il suffit de les comprendre, alors courage. » Et puis Lali revenait sur le témoignage d'Isabelle qui avait du mal à exprimer ses sentiments. Lali dit « Ma mère n'a jamais eu de gestes tendres à mon égard, elle ne m'embrassait jamais et j'ai moi-même du mal à exprimer mes sentiments. » Anna, elle nous envoie un petit mail pour dire « Mon italien de mari était démonstratif, caressant, moi, éducation chez les religieuses, mais je laissais des messages un peu partout, des mots doux sur le miroir, au rouge à lèvres. Bonne soirée à vous tous », nous dit Anna. Bonsoir Lou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline et bonsoir tout le monde. En fait, je suis très 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 contente de vous avoir au téléphone. J'avais envie de vous passer un petit coucou et en fait tout simplement d'abord de vous dire que j'adore votre émission. Je la trouve vraiment extraordinaire sur différents plans. Comme je disais à Justin avant de vous avoir, Caroline, je suis psychologue de formation. Oui. Oui, justement. Donc je suis, tant sur le plan personnel que professionnel, votre émission vraiment m'apporte énormément. Puis je trouve que vous êtes vraiment d'une chaleur humaine et d'une générosité, indépendamment de votre sens clinique et relationnel, assez incroyable. Ah bah c'est gentil venant d'une. Je vous le dis vraiment très sincèrement. Une j'ai collègue, beaucoup appris la fac, une consoeur. Ouais. Et j'apprends aussi de votre émission et de vous que vraiment de temps en temps je tends l'oreille et j'apprends énormément. Voilà. Ah mais ça me fait plaisir venant d'une consoeur, c'est agréable. Ben voilà, je voulais vous le dire, franchement. Et écoutez, aujourd'hui, comme je disais à Justin, je voulais peut-être parler du contexte actuel que je vis en essayant de résumer un petit peu, parce que c'est pas forcément évident. Je pense un peu à différentes émissions que j'ai pu entendre où vous parliez un peu de solitude. Certains auditeurs parlaient de solitude. Alors, il y a quelques témoignages plutôt positifs, c'est-à-dire qu'on peut effectivement se retrouver seul, avoir besoin de se retrouver soi-même et vivre ça plutôt agréablement. Et en fait, moi, c'est mon cas. J'avais un petit peu envie de parler de ça. Oui. Bien évidemment, en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est après avoir quand même passé quelques épreuves difficiles. D'abord, je dirais par rapport au côté professionnel, je travaille depuis peu, en fait, et c'est vrai que j'ai vécu. Je me souviens d'ailleurs d'une émission où vous parliez un peu de souffrance au travail. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, oui. Oui. Et du coup, effectivement, l'instinct de survie chez moi a voulu que je quitte ce milieu professionnel où je me sentais pas réellement reconnue, ne serait-ce comme de par mon statut, qui n'était pas clairement identifié. Je travaillais en milieu associatif, en fait, auprès de personnes en situation de grande précarité. Oui. Aujourd'hui, heureusement que je m'en suis sauvée de ce terrain qui était vraiment très précaire, c'est le cas de le dire, pour aujourd'hui vraiment me réaliser. C'est vrai qu'après, j'ai quand même aussi vécu sur le plan personnel une séparation, puisque après 6 ans de vie commune, donc on a décidé, je crois avoir tiré les verres du nez à mon ex-ami. Donc finalement, nous sommes séparés, j'ai fait une fausse couche aussi, donc c'était pas forcément évident, alors que nous pensions nous marier. Donc je suis quand même... Oui, ça fait beaucoup là, à peu près dans le même laps de temps. Ah oui, dans la même année. Dans la même année, oui. Oui, dans la même année, oui. Tout à fait. Oui. Donc en fait, si vous voulez, je crois que je me suis autorisée à déprimer. Je dirais ça, parce que je tenais bon longtemps. C'est vrai que je disais à Justin, je voulais parler du... Vous avez raison de le dire comme ça.
C'est vrai que parfois, au fond, oui. Oui. Ça peut être une bonne chose de... non, mais ça peut paraître oui. paradoxal à ceux qui nous oui. écoutent, mais de s'autoriser à dire je vais mal et à vraiment aller mal au fond, à être dans la dépression, parce que ça veut dire qu'on peut enfin soigner, faire remonter des souffrances et s'en occuper. Tout à fait. Et je pense que c'est ce au que lieu c'est de tenir, quoi, toujours tenir. Exactement. Et qui est plutôt, enfin voilà, un pseudo maintien en surface et qui était plutôt mortifère, en tout cas chez moi. Parce que ce soit au boulot, tenir, faire semblant que tout va bien, faire semblant que tout oui. va bien dans mon couple précédent. Vous voyez, faire semblant que tout va bien aussi en famille. Parce c'est que ça. J'avais envie de parler un petit peu de la dimension familiale. Parce que, alors c'est vrai que quand on est donc, en dépression, que ça va pas bien, qu'on se sent triste, qu'on a l'impression qu'on pas forcément réalisé les projets qu'on souhaitait réaliser. Bon ben on se dit la famille, ça fait du bien, on voit sa sœur puisque j'ai une sœur, je suis au milieu en fait d'une fratrie de 3 enfants, un frère avant moi et ma petite sœur beaucoup plus petite que moi, mais on se dit bon ben voilà, voir ses parents. Mais finalement je me suis rendu compte que si vous voulez la difficulté que je vous parlais de positionnement au niveau de mon ancien terrain professionnel, je crois qu'il est aussi dû à ma place dans la famille. Je disais à Justin, je suis en fait d'origine issue d'immigration maghrébine. Et c'est vrai que il y a souvent, vous savez, un membre de la famille qui va être un peu missionnaire, un peu être celui qui va savoir, celui qui va aider. Donc je pense très tôt, pris en charge mes parents, pris en charge ma sœur. Et du coup, cette notion de tenir bon, je crois qu'elle date d'il y a longtemps pour moi. Donc, c'était pas forcément évident de lâcher tout ça. Il y a qu'aujourd'hui que je commence, en fait, quand je vous dis m'autoriser à déprimer et aussi m'autoriser au niveau de ma famille, si vous voulez, j'étais un peu identifiée comme celle qui sait de par mon métier, de par ma réflexion. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Très bien. Voilà. Et je suis un peu émue en même temps en vous parlant, donc je ne sais pas si je suis claire, mais... Si, vous êtes très claire, non. Oui. D'accord. Et je ne sais pas comment vous expliquer, c'est assez incroyable. Je fais un travail sur moi depuis un petit moment, même si c'était un peu... Tu m'en doutes, oui. Oui. Là, je continue... Et professionnellement, et personnellement, ça me fait énormément de bien et j'en ai vraiment besoin pour continuer un petit peu à dénouer certains. Il y a quand même, je crois que c'est l'auditeur précédent ou alors un témoignage qui a été envoyé à l'auditeur précédent ou celui qui a témoigné là, tout à l'heure, quand quelqu'un disait que. Après, j'ai perdu le fil de la pensée là. Au niveau... À propos de quoi ? À quel propos ? Vous partiez sur quoi, là ? Je ne sais pas. Oui, en fait, je parlais de... comment vous dire ? L'éducation, en fait, qui reste la façon dont on a été... Vous dites que dans votre famille, vous aviez un certain rôle, un certain statut. Vous étiez celle qui savait. Mais est-ce que ce n'était pas un peu encombrant, justement ? Comment ont-ils réagi quand vous êtes autorisée à déprimer, à dire que vous alliez mal ? Est-ce que vous l'avez dit à votre famille, par exemple ? Oui, de toute façon, ils s'en rendaient compte. Ils s'en rendaient compte, mais alors comment est-ce qu'ils l'ont supporté ? Est-ce que c'est ça ? Ouais, est-ce qu'ils ont pu le supporter ? Voilà, non. C'est pour ça. Eh oui. Non. Voilà. Et oui. C'est pour ça que je vous dis, quelquefois, la famille, elle n'est pas forcément aidante. Elle a beau être aimée, peut-être elle aime même... Ah, elle peut être aimante, mais pas aidante. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu de mal à me rendre compte de ça. Ben oui, mais vous aviez une certaine place, comme tout le monde. Hein. On a tous des rôles qui nous exactement. Sont attribués, dont on n'a pas conscience, hein, forcément. Enfin, plus ou moins, hein, mais plus ou moins. Et quand on sort de ce rôle, ben c'est toutes les places de chacun qui sont... Toutes les cartes sont redistribuées et donc tout le jeu est perturbé et donc ça ne va pas. Donc de celles qui avaient une certaine mission... Subitement, là, vous vous écrouliez. Enfin, ça n'allait, vous n'alliez pas bien. Oui. Donc,
Donc votre, c'est pour ça que je vous demandais comment c'était supporté par le reste de la famille. Et en général, c'est pas très bien supporté. Non, vous avez raison. Ma petite sœur l'a très mal supporté, par exemple. Elle comprenait plus rien. Ou elle avait l'impression que c'était un caprice de ma part, vous voyez, parce que c'est vrai que je me suis quelque part, moi aussi, j'en ai tiré aussi un certain bénéfice hein, de ce qu'on me renvoyait, vous voyez. Donc je me suis peut-être un peu, moi aussi, enfermée dedans. Maintenant, depuis quelques années que j'en sors, oui, alors du côté de mes parents, surtout de ma mère, j'ai de l'hyper-protection ou de l'hyper-attention qui est agaçante. Parce que bon ben si elle avait pu me récupérer chez elle, je pense qu'elle l'aurait fait. Oui. Puis, voilà. Oui, donc, ce qui n'était pas forcément ce que vous souhaitiez non plus, et ce qui aurait été, ce qui n'était pas l'idéal pour vous. Tout à fait. C'est toute la difficulté de trouver la bonne distance, c'est-à-dire être présent, mais sans vous enlever toute possibilité d'autonomie, être attentif. Exactement. Donc là, c'est vrai que je tente, enfin moi ce que j'essaie j'essaie de viser une certaine harmonie quand même dans les relations familiales. J'ai ni envie de rompre les liens, ni envie de me laisser bouffer parce que pas toujours évident. Donc voilà, j'essaie quand même de garder une certaine distance par rapport à tout ça, mais c'est pas sans mal, hein. C'est pas sans mal. Et en fait, j'ignorais que la famille pouvait autant faire souffrir, même quand elle est aimante. Mais c'est d'autant plus compliqué quand elle est aimante parce qu'on a on a plus de mal à la rejeter, enfin à la critiquer, à vous voyez à s'en séparer. Bon, donc on est vraiment d'autant plus pris dans le jeu de la culpabilité, dans notre ambivalence. Donc déjà dans la dépression, on est vraiment très pris dans la culpabilité. Oui, une famille aimante, c'est compliqué. C'est comme vous dites, une famille peut être aimante et pas forcément aidante. Donc c'est d'autant plus lourd parce qu'une famille aimante, on culpabilise d'un certain moment d'être dans le rejet parce qu'on se dit ils font tout pour moi. Ils sont tellement pleins d'amour, pleins d'attention, et pourtant, on s'en veut d'être l'enfant ingrat. L'enfant qui veut se séparer, qui veut s'émanciper. Et pourtant, c'est nécessaire. Absolument. Ah oui, oui, oui. Et puis reprendre une place de sœur, de fille, et puis voilà, tout simplement. Mmh. En fait, finalement, oui, quand vous disiez le jeu qui se redistribue et prendre enfin... Oui. Mais je me demande, même si je l'ai déjà prise une fois, vous voyez, je pense que j'étais, pour des... Je ne vais pas forcément rentrer dans les quelques événements traumatiques qui s'est passé dans la famille, mais très jeune, je me suis trouvée j'ai pris en charge, en fait, certaines responsabilités qu'une enfant de 10 ans, 11 ans n'avait pas à prendre, quoi. Vous voyez ? Oui, mais ça ne me surprend pas, oui. C'est... Ouais. C'est pas. Et donc finalement aussi à un moment en vous autorisant vous à aller mal, vous perturbez toute cette dynamique familiale où vous étiez plutôt celle qui sur laquelle on pouvait s'appuyer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois, souvent même la thérapie familiale, parce que on s'aperçoit vous le savez bien, c'est proposé quand un enfant, un adolescent va mal, et on a bien vu parfois l'histoire du patient désigné, hein, où il y en a un qui va mal, et puis au fond, quand celui qui va mal pour qui la famille vient consulter va mieux, ben c'est les autres à côté qui commencent à décompenser. À décompenser, c'est-à-dire pour ceux qui écoutent à tomber malade, entre guillemets. C'est-à-dire, oui. Au fond, il faut qu'il y en ait un qui n'aille pas bien pour que les autres aillent bien. L'équilibre dans le déséquilibre. Oui, oui, oui. C'est intéressant ce que vous dites, oui. Tout à fait. Alors, il y a Brigitte qui pose une question, là, au 7-10-25, qui dit « Oui, mais comment s'autoriser à déprimer avec un enfant ?»
Ah, oui, c'est ça. Avec un enfant, c'est plus compliqué. Il faut tenir. C'est vrai que c'est plus compliqué parce que il faut tenir bon. Peut-être quand même en ayant un espace où on peut parler de soi, de sa fragilité, des moments où on peut dire que l'on ne va pas bien. Alors, sans tomber, il ne s'agit pas de s'enfoncer. Déprimer, ce n'est pas déjà être dans la dépression. Hein. Ce n'est pas s'enfoncer dans la dépression, mais c'est avoir un lieu où on peut dire que l'on n'est pas bien. Voilà. Déjà, ça permet peut-être justement de faire face, de tenir aussi dans le quotidien et dans le quotidien avec un enfant, avec les difficultés qu'on peut rencontrer justement. Oui. En s'autorisant ces moments un peu de soupape. Oui, voilà. Comme vous dites, verbaliser, voilà, le ressenti, s'autoriser à pleurer, parce que ça exactement, aussi, lâcher. S'autoriser très tard à pleurer, c'est incroyable. Mais oui. Vous n'étiez pas formée pour ça. Et vous avez changé de travail, alors Oh, que oui. Oui, j'ai changé de travail, là, je suis très heureuse. Qu'est-ce que vous faites, si ce n'est pas indiscret, aujourd'hui Je suis toujours en milieu associatif, auprès de personnes... Bon, les étiquettes SDF, sont avant tout des personnes avec des parcours de grande fragilité. Et donc voilà, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire et c'est vraiment un grand plaisir. Oui. Ouais. Et là, il y a vraiment... alors, c'est vrai, je me souviens d'une émission où vous parliez de... Je crois qu'il y avait une dame qui travaillait en entreprise et qui souhaitait démissionner. Vous lui aviez conseillé de... je pense à juste titre, hein, de réfléchir d'abord à trouver quelque chose avant de... Ah oui, cette jeune femme là qui était mal, qui avait des problèmes avec sa collègue. Voilà, c'était vraiment un harcèlement, oui, tout à fait. Alors moi, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu, je ne parlerai pas d'harcèlement, mais de fatigue institutionnelle, vous savez, où si on n'arrive pas, enfin, on ne met pas non plus de stop, soit l'appareil s'autorisait en équipe à dire « c'est difficile, il y a des choses qui ne vont pas », parce que je me suis vue m'enfoncer dans un truc assez mortifère où les collègues n'osaient même pas dire que ça n'allait pas. Et celui qui se plaignait de la difficulté ou de certains manques de moyens, par exemple, était désigné comme le faible. C'est assez incroyable, hein, la souffrance aussi institutionnelle. Oui, puis toujours cette peur de la faiblesse. De la faiblesse. De la faiblesse. Alors qu'au fond, les dirigeants des entreprises, y compris les dirigeants d'entreprise, ne sont pas à l'abri aussi de faiblesse, de dépression, mais surtout, ne doivent pas l'afficher. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça, hein. C'est toujours dans cette société de l'apparence, il faut toujours avoir l'air très en forme, plutôt bronzé, plutôt mince, toujours affiché, bonne mine, l'air combatif, bien dynamique, bien. Mais pour autant, ce sont des hommes, j'allais dire des hommes et des femmes, plutôt des hommes quand même, dans le monde, dès qu'on est dans les hautes sphères, et qui ont des soucis comme tout le monde, qui ont des coups de mou, et qui ne sont pas à l'abri qui ont des fragilités, et qui peuvent aussi avoir des moments, qui ont des moments de doute, et des moments, pourquoi pas, des moments aussi dépressifs. Hein. Mais surtout, ne doivent pas l'afficher, c'est ça. Oui. D'ailleurs, à ce propos, il y a le subversif qui dit, mais quoi, un psy qui d'un coup déprime, c'est comme le Père Noël qui vient s'emparer sans vergogne de votre cadeau, un prince charmant qui soudain vous snobe avec cynisme le monde à l'envers, quoi. C'est drôle, mais mon cher subversif, vous n'êtes pas sans savoir que les psys aussi, hein, peuvent avoir leur coup de mou et leur coup de déprime, voire plus. Hein. Tant que ça bascule pas du côté de la psychose, tout va bien. Hein. Tout va bien. On reste être humain avant tout, mais aujourd'hui, oui, je vais vraiment bien. Et je vais vraiment bien seule dans mon chez-moi. Voilà. Bon. C'est extraordinaire de penser à soi et de se... Voilà. De s'occuper de soi, tout simplement. Bon, mais j'ai été ravie de cet échange, Lou. Ben, moi aussi. Hein. Merci moi beaucoup. Aussi, merci à vous. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bonsoir.
Donc, moi, j'ai eu un accident à 15 ans. Oui. Un accident en scooter, un camion a percuté. Oui. De là, j'ai fait 27 jours de coma et ah oui. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Oui. Et je n'accepte pas le handicap. Comme là, j'avais un rendez-vous par rapport à des aides et tout ça. Pourquoi? Qu'avez-vous gardé comme handicap? J'ai plus l'usage du bras gauche. Si vous voulez, le bras est passé dans l'essieu du camion. Donc, ligament étiré et je peux plus utiliser le bras. D'accord. Et en fait, on a vu, parce que là, j'avais un rendez-vous ce matin avec la psychologue, une psychologue chargée d'un dossier, tout ça. Et en fait, on a vu que administrativement, je n'étais pas handicapé. J'avais juste la reconnaissance de travailleur handicapé. Mais après, il n'y a rien qui m'aide, il n'y a rien qui me dit que je suis handicapé. Donc après, moi, je... Alors, administrativement, vous n'êtes pas handicapé, c'est ça? Ça veut dire que... Je suis entre 50 et 79%. D'accord. Ça veut dire que vous avez une pension? Non, j'ai rien. Vous n'avez rien? Si, j'ai quelque chose, mais c'est... C'est une rente non imposable, donc ça n'a rien à voir, ça a rien à voir dans ce que je dois toucher. Que si, par exemple, j'étais à 80%, j'aurais une rente dans l'allocation handicapée. Et comme je suis entre 50 et 79%, je ne touche rien. Donc, de façon comme ça... Je me sens pas handicapé et bon, au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai envie de bosser. J'ai vu que dans le monde normal, on va dire, demande beaucoup d'effectifs, de rendement. Et je suis en incapacité. Comme bon, il me manque l'usage d'un bras, donc il demande beaucoup de manutention, des trucs comme ça. Et comme je me manque d'usage d'un bras. Quelle est votre formation? Enfin, vous avez... J'ai rien. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas continué... Vous avez arrêté vos études... Quand j'ai eu mon accident, c'était... J'allais rentrer en 3e A. Oui. Et là, j'ai fait 3 ans d'hospitalisation. Après, je suis rentré dans un centre. D'accord. C'est que dans le centre, à partir de 20 ans, il faut payer le centre pour y rester. Vous avez fait 3 ans d'hospitalisation? Ouais. Ah oui, ça a été très lourd, hein? Ben donc en fait, quand j'ai fait 26 jours de coma, c'est comme si c'était une renaissance pour moi. Bien sûr, oui. Et en fait, c'est comme si... ben voilà... J'ai plus la notion de rien. Tout ce qui Il a fallu tout avant. Réapprendre. Ouais. Il vous a fallu tout réapprendre. Ouais. Ouais. Bon, après, je m'en sors bien. Oui, à vous entendre. Pour un vendredi 13 juillet 2001, je parle, je marche. Mais bon, le fait, c'est que maintenant... Oui, finalement, vous avez donc le bras gauche dont vous ne pouvez plus vous servir, mais par rapport à la violence du choc, finalement, vous auriez pu garder des séquelles beaucoup plus graves, voilà, font Michael. Après, je ne me plains pas, je suis pas là. Je pense que l'appel d'aujourd'hui est aussi pour essayer de faire un pas, pour essayer de l'accepter. C'est cet handicap que je n'arrive pas à faire. Oui, vous n'acceptez pas cette image de vous qu'on dise, au fond, cette image de vous handicapé. Si, je l'accepte, je vis avec, mais non, je n'en C'est pas tout pas. À fait la même chose. Vous m'avez dit d'ailleurs, vous avez commencé par ces mots en disant « j'accepte pas le handicap ». Oui, mais je fais plein de choses. Mais oui, bien sûr, on peut faire plein de choses, oui.
avec tout en ayant handicap. Un handicap, c'est pas forcément ne plus rien faire ou voyez ou être moins bien ou voilà. J'entends bien, vous faites plein de choses. Vous aimeriez en tout cas pouvoir travailler. Oui, ça c'est mon premier but. Oui. Bon, après, vous aimeriez travailler peut-être vous disiez au standard dans la prévention routière dans. Non, dans la prévention routière, c'est aussi pour essayer de m'aider à dire aux gens. Bon, après c'est plus pour passer de jeune à jeune. Bon, je suis jeune. Bon, j'ai été jeune, donc je sais. Vous l'êtes toujours, hein? 25 ans, c'est très jeune. Ce que je veux dire, c'est que dans les collèges comme ça, quand on entendait les vieux parler de faire attention en scooter et tout ça, ben, que oui, c'est rigolo ou quoi. Voilà, nous, on s'en fiche, on cabre et tout. Bon, après, voilà. C'est pour passer un message que, voilà, de faire gaffe quand même. Et comme je suis jeune, peut-être l'information passera mieux. J'espère. Et voilà. Après, c'était plus pour faire de la prévention, pour plus essayer de aussi travailler ce fait d'acceptation de l'handicap. Car si je dis aux gens, mais peut-être que j'arriverai à l'accepter. Mais votre témoignage montre que quand un accident laisse des séquelles graves comme une paralysie, hein, par exemple, on sous-estime souvent ce qui se passe sur le plan psychologique. Et que l'entourage de la personne qui a été accidentée ne se rend pas compte que elle doit faire un véritable deuil, le deuil de celui ou de celle qu'elle était avant. Et ça, c'est compliqué. Ça demande. Déjà, faire le deuil du corps qu'on avait avant l'accident et le deuil de l'image de soi, que celle qu'on voyait dans les yeux des autres et de tous les projets qu'on avait aussi. Bon, après, moi, j'étais jeune, j'avais pas trop de projets. Bon, après, c'est sûr que le regard des gens me gêne beaucoup. Oui. C'est non à l'acceptation. Mais après, je pense que j'ai perdu quelque chose. Peut-être que je recherche les années avant, comme depuis l'accident, mais je ne me rappelle plus de rien, tout ce qui était avant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous vous souvenez plus de avant l'accident, ce qui s'est passé avant. C'est comme une page blanche avant, avant vos 15 c'est ans. C'est des flashs. Oui. C'est des flashs où, en regardant les photos. Oui, ça c'est difficile. Pas, c'est que voilà, je me rappelle plus de. Donc peut-être pour ça, et puis après, je sais pas moi. Comment dire, à partir de 16 ans. C'est compliqué, particulièrement à cet âge où on est en pleine construction de soi, rapport à son corps, rapport à. Enfin, c'est survenu aussi à un âge, l'adolescence, où on fait des. Vous voyez, c'est normalement c'est l'âge où on est. C'est l'âge des copains, l'âge des rencontres avec les autres, les rencontres amoureuses. Et vous, ben, vous l'avez passé dans les hôpitaux. Toute cette partie-là de votre vie. Ça joue aussi, ça. Et toute cette modification, enfin, toute cette image de votre corps, enfin, c'est. Déjà, c'est un âge un peu compliqué à ce moment-là. Et puis là, on vous. Bon. Il faut vous approprier toute une partie de vous. Mais il y a, Prune dit, il y a peut-être une formation adaptée à envisager. Ouais. Parce qu'à 25 ans, vous êtes très jeune encore, Michaël. Il y a peut-être en fonction de vos centres d'intérêt, une possibilité, parce que, je veux dire,
Bon, vous pouvez envisager... vous êtes droitier ? Donc vous pouvez faire, là vous envisagez, n'ayant pas de formation, vous vous dites évidemment tous les postes de manutention et autres, vous ne pouvez pas le faire. Ouais. Mais en envisageant des formations, il y a des métiers auxquels vous pourriez accéder. Il n'est pas trop tard pour envisager des formations. Non. Je suis d'accord, de toute façon, bon, comme... Pendant, j'ai été suivi par beaucoup d'organismes. Oui. Comme, bon, voilà, je suis, par rapport à mon caractère, par rapport à l'accident, je suis assez, assez impulsif. Oui. Même un peu trop. Oui. Donc, je dis que ça avançait pas, mais je changeais d'organisme, des trucs comme ça, ou voilà. Où je répondais mal ou quoi, donc c'est... Oui, vous aimeriez que ça se fasse vite, que ça aille vite. Non, j'aimerais qu'on me suive, en fait, que j'ai une continuité. Oui, et les démarches, c'est un peu long. Voilà. C'est ça. Je suis pas patient. Vous n'êtes pas patient. Oui, vous vous heurtez, c'est ça. Il y a beaucoup de formalités administratives, beaucoup de... Voilà, ça vous trouvez ça pesant. Ouais. Je comprends que ça soit fastidieux. Après, là, je vais voir. Il va falloir que je pense rentrer dans un SEAT, un ESAT. Qu'est-ce que c'est ? C'est un centre, c'est des centres aussi qui a des personnes handicapées. Oui. Comme un CAT. Un CAT, Centre d'aide par le travail. Voilà, donc là c'est pareil, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné. Donc ça permet d'avoir bon des aides, comme on est suivi et tout ça, donc peut-être rentrer dans ça. Ou sinon essayer de voir, comme je voulais faire dans la vente, mais essayer d'ouvrir mes horizons, comme ça fait depuis 2 ans que... Oui, parce que dans la vente, je vois pas en quoi le fait d'avoir un bras qui est paralysé pose problème hein, dans un contact. Enfin. Bah ouais, mais bon, il y a pas mal de métiers où ça pose. Enfin, vous voyez, où c'est pas problématique dans l'informatique ou dans. Enfin, je vois pas. Ouais, mais bon, c'est pas pour rester derrière un écran. Ah oui, non, mais ça, bien sûr, il faut quelque chose qui vous plaise. Oui, voilà. Hein mais alors, vous pourriez peut-être voir avec la... Parce que, bon, les CAT... attention à ne pas limiter votre horizon non plus. Vous voyez ? Faudrait pas que ça... Il y a Lali qui dit qu'il y a la MDPH, la Maison des Personnes Handicapées, ouais. Qui pourrait aussi vous proposer des stages, enfin, et voir... Elle m'a proposé un CRP. C'est un centre, c'est pour voir en fait différents ateliers et essayer de... Oui, parce que finalement, il y a des personnes qui sont en fauteuil, qui ont des troubles, enfin vraiment des troubles très importants, qui arrivent à trouver des métiers, parce que ça n'enlève rien à votre intelligence, à votre sensibilité, à votre personnalité, vous voyez. Donc attention à pas limiter trop votre horizon. Donc après tout, certes, vous avez ce problème, cette paralysie au bras gauche. Bon. Mais après, je suis autonome. Mais après, vous êtes autonome. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez reprendre une formation. Et après, Inch'Allah, quoi. Je veux dire, vous y allez. Enfin, vous voyez, pas limiter votre horizon. Ça serait vraiment dommage, je trouve, à 25 ans. Il y a Brigitte qui dit, qui parle du livre Le philosophe nu. C'est un magnifique livre. C'est paru au Seuil. C'est Alexandre Jolien, le philosophe nu, paru, c'est justement sur la notion de handicap. Et je pense que ça pourrait beaucoup vous aider par rapport à l'acceptation d'un handicap.
Mais gardez, vous limitez pas trop. Il y a Sergio qui dit, regardez Jamel, on ne voit même plus qu'il est handicapé. Vous avez forcément un talent en vous. Il faut simplement y songer, le voir, le découvrir. Vous faire confiance. Ouais, ça aussi, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir et trouver la bonne formation et voir. Mais il a raison, Sergio. Vous avez forcément un talent en vous. Il faut simplement trouver lequel. Bon courage, Michael. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Message de Prune pour Raphaël qui dit « Soyez fort, travailler peut vous changer les idées ». Et puis First Lisa qui dit « Allez, il y en a même des personnes handicapées qui sont sportifs et sportifs de haut niveau ». Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.